Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Monster Hunter World. Épisode qui n'était pas prévu, je suis en train de travailler sur ma série Temtem qui me demande beaucoup de temps, mais en attendant il faut bien que je sorte une vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas faire du poutrage de monstres sur Monster Hunter, ça pourrait être pas mal. Donc depuis la dernière fois je me suis fait un nouvel équipement morpho. Donc avec l'élément dragon, donc avec la lumière exorbitante comme arme, avec un mélange de Rathian d'or, de Damascus, je ne sais plus c'est quoi, de l'Odogaron des astres et du Yangaruga. Donc ça me donne 1068 en attaque, un bon tranchant blanc, 40% d'affinité, un élément de type dragon de 350, un saut des anciens élevé, pratique pour les dragons anciens, et une fiole de force. Donc mince, niveau talent ça me donne esprit Rathian d'or, donc ça m'augmente le niveau maximum du talent bénédiction. J'ai le talent maître d'armes au niveau maximum, donc plus 40 d'affinité, le talent pourfendeur de dragon au niveau maximum, attaque dragon plus 20% et attaque dragon plus 100. Le talent bénédiction qui est encore plus évolué, donc dégâts subis moins 60% avec une augmentation des chances d'activation. Afflux de vie au niveau 5, plutôt au niveau maximum, qui me donne plus 50 en vie. Le talent Berserker qui m'augmente mes dégâts des coups critiques à 140%. Enfin, dit écrit comme ça, on croirait que c'est plus 140%, mais en fait c'est plus 40%. Le talent Mise à mort qui augmente l'affinité lorsque vous attaquez les parties faibles d'un monstre. Très utile vu que je tape souvent les parties faibles. Le talent Concentration qui accélère ma jauge de remplissage de ma morpho. Le talent dégainage éclair qui me permet d'avoir plus d'affinité sur le premier coup lorsque je le dégaine, ce qui est vraiment pratique. Le talent puissance absolue qui m'augmente, plutôt qui me permet à ma jauge de rester chargée plus longtemps. Et le talent expert en survie qui réduit le délai de réutilisation des outils de survie, donc mes caps. Donc sachant que expert de survie et dégainage éclair, c'est... Ils ne sont pas là, c'est pas vraiment moi qui les ai mis, vu que je n'ai pas encore les joyaux qu'il me faut, que j'aimerais avoir. Donc j'ai mis ça en attendant. Et sans plus tarder, on va essayer de se trouver des petits monstres. Et nous voilà pour se faire un petit Brachylios avec d'autres joueurs. Donc la quête vient juste de commencer, on va aller manger avant, histoire de profiter des boosts. Donc hop, attaque M, la vie au maximum et l'endurance au maximum. Donc bien sûr avant, hop, on va profiter de se buffer au maximum. Donc que ce soit en attaque ou en défense. Allez. Allez. C'est parti, on garde une cape sous la main et le voilà. Allez. Où est-ce qu'il est? Il est là, il est là. Ah, il est chiant à bouger. Hop là, la petite esquive. Allez, on va se le faire. Bon, attention, ça sent le mur. Et bim. Allez, on charge la morpho. La morpho est chargée à fond. On affaiblit la tête. Celle-là, on l'a évité facilement. On va essayer de lui monter dessus. Ça n'a pas voulu. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Bon, allez. On s'enlève le talent poisse. Enfin, le talent.
l'affliction. Allez, on ne claque pas la décharge au maximum. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouragan. Bon, allez. Il est pas passé loin cette fois-ci. Ah voilà. Lui est monté dessus. On va essayer de le faire tomber. Allez, on change de zone parce que sinon, ça va me faire utiliser la stamina. Allez, j'aimerais bien que tu tombes. La petite décharge sur la petite zone affaiblie. Allez, hop là, couché. Allez, hop. Les premiers coups vont louper, mais ce n'est pas grave. Ce n'est que les coups suivants qui font très très mal. Mais qu'il est con, il est tombé dans le piège. Et là, il s'est bouffé le mur. Bon, hop là, il a changé de zone. On récupère un peu les écofacts et les objets. Capsule gluante qui va être très pratique. Et normalement, là, il en reste un. Et on va continuer. Mince, je me suis trompé. Le 7-1, hop là. Et on a un joueur qui a quitté la quête. Ah là là. Arrête de tourner en rond et viens ici. Allez, viens là. Il a fait un sacré saut en passant dessus de moi. Aïe, 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 aïe. De toute façon, j'ai la cape immuable. Hop. Par contre, j'ai une affliction explosion. On va se l'enlever. Et voilà. Donc là, il part dans la zone des descentes, ce qui est plutôt bien. Une zone que j'aime bien. Bon, sauf quand t'as un de ces crapauds là qui te pète à la gueule, c'est un peu casse-couille. Pas. Ah,
Hop là, on lui affaiblit le bras. Allez, vas-y, reviens ici. Ok, je passe entre ces deux jambes. Ce n'est pas grave. Et mince! Je me retrouve paralysé à cause de ce crapaud de merde. Je suis en train de mongoliser au sol. Allez. Bon, allez. Un petit coup de queue là. Allez, allez, allez. Là, il m'est littéralement passé dessus. Allez, vas-y, charge ma morpho. En plus, il faut qu'on le capture. Allez, hop. Bon, non, là je suis à côté. Je suis stun, c'est pas grave. De toute façon, il me fait pas beaucoup de dégâts. Allez, hop. Allez, il est monté dessus. Allez, on termine de charger la morpho. Et voilà. On va pouvoir l'enchaîner. Bon, là, je suis coincé. Entre ses pattes, on voit rien. Ah, c'est vrai que j'avais une capsule gluante, j'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Allez, on aiguise un peu. Et on va continuer. On va prendre la cape immuable. Il s'est quand même fait toucher un peu. Mets-moi ça, sinon. Hop. Ah, trop tard, mais pas grave. Hop là. On lui met les capsules gluantes sur la gueule. Des explosions cristallines. Oh, il a pas aimé.
Ça y est, il s'est calmé un peu. Ça énerve un peu. On a affaibli un maximum de parties. Ok, ça affaiblit. La tête s'est affaiblie. Et on va s'enlever ça. Il a cassé mon joujou. Explosion cristalline, là. Allez, on vise le mur. Feu. Couché. Ah. Ah. Casse les couilles, toi. T'aurais pas pu venir un peu plus tard. J'ai même pas pu profiter de lui taper la queue. En train de me faire passer dessus là. Pour l'instant, il ne suit pas. Vas-y, charge-moi ça avec la petite décharge. Ok, je me suis pas fait toucher. C'est bizarre, mais bon, je vais pas me plaindre. Ah voilà, il est fatigué, on va pouvoir le capturer. Là. Et voilà, capturé. Ah. Là, ça a été plutôt tranquille. Une fois qu'on connaît ses patterns, qu'on a un stuff fait pour, franchement, ça passe facile. Alors, voyons voir un peu ce qui nous a looté. Donc des échines, de la poisse, broyeur, échine, couronne, quelques un joyau, cuir prestigieux, Drake et les. Oula, il y en a un qui est passé. Deux, ça va. Bon, voyons voir ce petit joyal là. Affûtage rapide en normal. Ouais, j'en ai déjà pas mal. Mais bon. Ah, conservatoire botanique a été amélioré. C'est bon à savoir. Allez, je vais lancer une deuxième quête et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour un petit Lavasio. C'est on tombe bien dessus comme il faut. Par contre, hop, je ne suis pas équipé pour.
J'ai oublié de manger, j'ai oublié de prendre des popos. Donc on va se faire ça tout de suite. Hop. Un petit féline agile. Plutôt bien. Hop. Là, vous en avez laissé. C'est plutôt bien. On va prendre une petite série de potions. Allez, hop. Comme tout à l'heure, on prend notre petit buff d'attaque et de défense. Et on va aller les rejoindre tout de suite. Donc bien sûr, là, j'ai mis une armure spéciale histoire que ce soit visuellement plus beau. Même si sans l'armure, l'armure n'est pas dégueulasse. Allez hop. On va faire le grand saut. Hop là. Et on prend la boisson fraîche pour éviter les dégâts. Même si j'aurais pu prendre une autre armure qui m'aurait empêché de prendre des dégâts par rapport à la lave ici. Par rapport à la chaleur. Les petits bras. Le nom bien chiant à dire. Allez, hop, on y est presque, on y est presque. Le tuez pas avant que j'arrive. Je crois que j'ai dû le faire qu'une seule fois celui-là, sachant que j'ai bien rodé le jeu là. Enfin, par rapport à l'extension Iceborne. Hop. Ok, ça commande bien. Allez, on va charger la morpho. Voilà, bouge pas. Et morpho chargé à fond. Ça sert à rien de faire la décharge zéro là. On va en profiter pour affaiblir les parties. Où est-ce qu'il est? Il arrive. Il est là. Il est là. Allez. On lui monte. Ok, il y avait déjà quelqu'un dessus. Il a pas apprécié. Allez. On le bourrine. Ah, il a tourné la tête. Allez, sors de là. Ok, il m'est passé dessus. Allez, viens la pépuce. Viens là. Oh là là. Eh oh. Ok, je sais pas ce qu'il a fait là. Allez. Hop là. On va se le faire. Ok. Il m'a poussé avec sa queue. Je me suis retrouvé du mauvais côté. Fait chier. Bon là, tu m'énerves. Hop là. Est-ce qu'il est... Qui c'est qui va se le prendre? Allez, hop.
Il va retourner dans son petit lac de lave. Hop là. Ça, c'est plutôt bien pour nous. Sauf quand je me retrouve de l'autre côté. Allez. Ok, il a reculé, fait chier, j'aurais pu lui mettre un deuxième dans la gueule. Allez, on va essayer de recharger la morpho. On réglisse pour essayer en tronche en blanc. Et on prend les écofacts au passage. Il est retourné dans sa zone de tout à l'heure. Ça c'est bon. Allez, hop. Voilà les petits questos donc qui vont nous faire un peu chier je pense. Le crapaud. On va essayer de lui monter dessus. Si il veut bien. Ah, voilà. Suffit d'enchaîner les sauts et les attaques. Allez, ça serait bien de pouvoir faire une petite décharge là assez rapidement. Bon, bah pas de décharge, ce n'est pas grave. On va recharger la morpho de manière classique. Hop là, on affaiblit ça. Oups, désolé le castodon. Castodon qui m'ont poussé. Voilà, ça secoue dans tous les sens. Je ne sais pas ce que mon perso a fait là, mais... Dragon. Ouf. Non, non, non. Là, je vois des petits monstres qui arrivent en plein combat. Bon, après, là, ça va, c'était juste un ouragan. Je préfère mieux ça qu'une bonne basalgueuse vulcaine qui arrive par les airs sans t'y attendre et qui te bourrine la gueule. Ah. Laisse-moi t'affaiblir les parties. Hop là. La tête, c'est fait. Se prendre la lave dans la gueule, c'est fait. T'essayes déjà de l'endormir. C'est un peu trop tôt, mon gars.
Ok, je suis pas monté dessus. Tant pis. Ah, c'est quand même bien pratique la régène sur les armes de rendu. Allez, hop. Petite décharge dans la queue. En plus, il s'est pris le piège à lave. Je crois qu'il a pas aimé ce coup-là. Allez, hop, on affaiblit. On affaiblit pas. Il veut pas. Trop loin pour le faire. Allez. La décharge est à fond. Et on fait une petite décharge 0. On ne va pas claquer jusqu'à la fin pour pouvoir retomber sur ses papates. Bon, ça servait à rien là, je me suis pris le coup de queue. Allez. Hop. Oula, je dois avoir un problème avec la touche de ma manette. Il a pas voulu me faire la. Ah, tu m'énerves avec. Non, bah maintenant il y a le dodo gamin qui s'y met. Oh, le petit super mat bien placé. Deuxième petit Superman. Là, ça ne l'aura pas fait. Là, je suis littéralement en train de cramer. Mais bon, c'est pas grave, j'ai la régène qui fait que je ne perds pas beaucoup de vie. C'est pas là que je voulais monter, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, une petite décharge 0 dans la tête. Bougez chaud, bougez chaud. Un peu du mauvais côté là. Allez, allez. On va l'avoir. Bientôt terminé. Rebelote, décharge 0. Il ne l'a pas laissé terminer. Sa jambe m'énerve. Et voilà, le petit Lavadios terminé. Ça fait déjà une bonne vidéo là. Ça m'a permis d'avancer un peu dans mes quêtes libres. Même s'il m'en reste plus énormément à faire. Allez, on dépose tout ça. Donc éclat Lavadios, nageoire fine. Une nageoire fine, oh, on peut le dépecer 4 fois. Ah. Un éclat 5 fois. Je m'en rappelais plus de ça. Et un cortex.
Donc ça, c'est bon, c'est fait. Bon, la partie s'est plutôt bien passée. On avait un petit healer qui était fort appréciable. Cette fois, on n'a pas eu un kit d'un coéquipier. On va y aller, hop là. La quête est réussie. Voyons voir ce qu'on a en petit objet bonus. Du cortex, de l'éclat de la nageur, un joyau, des sphères d'armure et des os robustos. Ok, c'est pas la joie, mais bon. Et voyons voir ce qu'on a. Joyau, fléau, ah, totem élémentaire. J'en ai déjà vraiment beaucoup de cela. Vous pouvez pas me donner des bons joyaux que je voudrais. Bon. Sur ce, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.